Wesh les gars, c'est Sergi, bienvenue sur la chaîne encore une fois. Aujourd'hui, nous allons jouer Football Live 2023, PES 2023. Et comme vous voyez dans la fiche, nous avons un gros match face à FC Schalke. Après, nous jouons contre Valence en demi-finale. Ensuite, il y a des gros matchs. Franchement, on va jouer tous les matchs aujourd'hui. Valence, voilà. Alors, les gars, comme vous voyez, on va jouer contre FC Schalke. Il y a aussi la mise à jour de Football Live 2023. Je crois que je vais mettre le lien dans la description. C'est très facile à installer. Je ne l'ai pas encore installé, mais je l'ai déjà. Et il suffit de l'installer. Je vais voir, ils ont dit qu'ils ont augmenté. Ils ont augmenté la difficulté. Maintenant, même professionnel, ça sera un peu comme Superstar. Donc, on va tester tout ça. Bon, je ne l'ai pas encore mis à jour. Donc, allez, on va cliquer sur coup d'envoi. Alors, comme vous voyez, c'est un très, très gros match. Alors là, mon PC, il est en train de chauffer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même oublié de regarder ma position. Bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Allez, on va passer tout ça et directement on va commencer. Bayern Munich contre FC Schalke. Je crois que je joue milieu offensif. Hein. Voilà, ça, on va jouer doucement. Là, j'ai pas marqué de but sur la vidéo passée. Je me rappelle. C'est vraiment dommage. Mais c'est parce que cette équipe, franchement, je crois pas qu'elle est assez forte. Saison prochaine, si je peux partir aussi, je ne refuserai pas. Peut-être un Real Madrid ou bien un Barcelone. Parce que ce sont des gros clubs. Ou même peut-être en Angleterre, aller à je sais pas quelle équipe. Manchester City, non, ça serait un peu trop facile. Je me dis peut-être un club là qui va me donner un peu de challenge aussi. Real, franchement, si le Real m'approche, j'accepte. Allez, on va arrêter de parler, on va jouer. Attention, attention, là on peut marquer peut-être. Et oui, on marque le but enfin. Après une série de matchs sans but, on arrive à marquer un but très 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 important, les guys. Contre Schalke. En tout cas, si je crois que c'est le match championnat, si on perd les points, il y a Bayer Leverkusen qui est derrière. Donc, dans cette vidéo, on aura l'opportunité de remporter trois trophées. Bundesliga et Europa League et peut-être le trophée de l'Allemagne là. Et franchement, voilà. On va passer tout ça. Et voilà, le match est terminé. On gagne 1-0 face à FC Schalke. Franchement, j'ai marqué le seul but. Je crois que je suis l'homme du match, si je ne me trompe pas. Je suis l'homme du match, voilà. Donc, c'est parti pour le match contre FC Valence. Voilà. Et le premier tir là, c'était un très 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 joli passe. Peut-être j'aurais dû contrôler et ensuite tirer après. Attention, faut pas qu'on prenne un but là, parce que si on prend un but là, ça va être très très compliqué. Allez, c'est parti, on récupère la balle là. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Voilà, c'est très compliqué de dribbler dans ce jeu, à ce que je vois. Surtout l'IA, c'est les trop. Attention, on se fait accoster là parce que là, on risque de se prendre un but. Et voilà, on va prendre un but. Si on va prendre un but, c'est juste pas possible. Je sens un cheat ici parce que tous les ballons qu'on dégageait, tout, regardez, comment il peut bloquer ce dégagement. C'est vraiment bizarre. Et là, il marque un but très important pour son équipe et très malheureux pour nous. Alors là, je me dis que ça va être compliqué cette fin de saison parce que là, on prend un but à l'extérieur. Bon, si on égalise, ça serait bien. Moi, je voulais qu'on gagne à l'extérieur. Donc, je crois que je vais changer de pose et je vais être buteur parce que là, je vais essayer de débloquer. Voilà, c'est parti. Une jolie passe là. Est-ce qu'il va marquer? Oui. Et voilà, une autre passe décisive. Et très important là.
En tout cas, je suis le meilleur passeur de toute l'Europe. Parce que les passes que je donne, c'est juste à la Messi, comme vous comprenez là. Et regardez, les supporters sont en feu. Voilà, là, c'est très bien joué. Regardez la jolie passe que j'ai donnée là. Wow. Et c'est parti. Il a juste qu'à cadrer et marquer. Rien d'autre. Alors, je préfère qu'on gagne ce match. Donc, on va tout donner pour gagner ce match. Allez, c'est parti. Là, je peux. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, je donne à Müller et il fout de la merde. Müller, je ne sais pas ce qui lui a pris là-bas. Allez, on a bien défendu là. On récupère une balle très très importante. Là, j'ai beaucoup de choix. Alors, là, je vais passer, c'est mieux comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fout lui? Il fallait qu'il repasse en bas vers Müller là. Allez, on y va. Voilà, on va se débarrasser là-bas du ballon et Alors là, on va défendre parce que là, je vois que l'équipe de Valence est en mode attaque là et il faudra que j'aide un peu mon équipe. Je redescends parfois pour aider la défense parce que je trouve qu'ils ont beaucoup de lacunes en défense. On récupère cette balle, c'est très bien en tout cas. Là, on récupère beaucoup de balles. Là, on va y aller. Je vais y aller, frère. Je vais y aller. Je crois qu'il va pas m'attraper ce type. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai voulu passer? J'ai voulu. Très très mal joué ce coup, les gars. J'ai très très mal joué ce coup. J'ai super mal joué ce coup. Je vais regretter amèrement. Attention, faut pas qu'on prenne un but là-bas. Qu'est-ce qu'il fout la défense aujourd'hui? Il faut pas qu'on perde ici. Non. Ok, ça c'est bien. Et là, je crois que le match va se terminer par ici. Franchement, un but partout. FC Valence a tenu. En tout cas, ils nous ont tenu en échec chez eux. Mais chez nous, on essaiera de gagner parce que là, ça sera si on. Si on perd, on sera éliminé. Allez, on va jouer contre Werder Bremen à l'extérieur. On doit gagner tous ces matchs de Bundesliga. En tout cas, faut pas qu'on en perde juste un seul match. Parce que Bayer Leverkusen, dès qu'on va perdre, vous allez voir, ils vont directement prendre la première place. Et là, on doit gagner. On est obligé de gagner minimum un nul s'il le faut. Mais je préfère qu'on gagne. Parce que je sais même pas si on fait nul, on aura les mêmes points. Ça, je suis pas sûr. Là, on va y aller. C'est super bien. Très, très jolie passe. Là, moi, je suis là juste pour au cas où. Et c'est pas possible. Comment on rate ça? Ce n'est pas possible. Il a raté une occasion, une grosse occasion. Je crois que c'est Matistel qui est là maintenant. Ah oui, c'est lui. Franchement, c'est un très, très bon joueur. Là, la jolie passe vers. Voilà, une autre passe décisive. En tout cas, les passes décisives. C'est un art, les gars. C'est un art. Et voilà, Matistel qui marque encore un but. Franchement, en cette partie de saison, il a été fort. Je crois qu'il vient de l'Académie, en fait, Matistel. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est super fort. Vous avez vu la passe entre les lignes. Allez, on défend super bien là. Mais mon équipe ne défend pas. Regardez là, je veux défendre. On va pas le lâcher. Et voilà, il va siffler faute. Et le match est terminé. Un but à zéro. On gagne haut la main. C'était pas un match facile. Finale.
Allez, c'est parti. Europa League. Est-ce qu'on va y arriver? Voilà, le joli dribble là. Et là, c'est le but. Quel but incroyable, les guys. Je pense que j'ai super bien joué. Regardez ma nouvelle célébration. Une nouvelle célébration en tout cas. Voilà, un but à zéro. Donc en tout cas, j'ai fait le dribble à la Barcelone là. Je tourne autour du défenseur et puis après j'y vais tout seul et je marque. Regardez, franchement c'est super bien. Vous avez vu là, franchement j'ai mis tout le tir là. On va revoir ça en tout cas. Franchement, c'est un de mes meilleurs buts, je crois. Voilà, c'est incroyable. Et là, la célébration, je crois que ça sera pour la miniature, celle-ci. Miniature YouTube. Parce qu'il y a une autre qui est mieux que ça. Elle est... On va essayer. Bon, c'est très bien qu'on gagne dès le premier match. On marque en premier, ça c'est bien. Il faut qu'on marque un deuxième but là, parce que je vois que nous sommes tous en attaque. Allez, c'est parti. C'est peut-être là qu'on peut marquer. Qu'est-ce qu'il fout, Matistel? Aujourd'hui, Matistel n'est pas du tout en forme. Il fait environ beaucoup de contre-attaques là qui nous fait du n'importe quoi là. Et là, il peut y aller. Ah non, Matistel, ça ne va pas. Alors, c'est la mi-temps, je crois qu'on va siffler la mi-temps. En tout cas, ce match, c'est un match très important. Ça va d'un but à l'autre. Et si on marque un but, je crois que ça va les calmer. Hein. On marque un deuxième but, les gars. Avant qu'ils marquent un but. Allez, on y va là. C'est la contre-attaque. Alors là, il va marquer. Là, il va marquer. Oh, mais qu'est-ce qu'il fout, le roi Sané? Là, c'était le but de la victoire. Alors, en tout cas, c'est une très jolie passe de Yataren. On a des très bons jeunes joueurs qui commencent à monter. Je ne vois pas Sadio Mané. Ben, ils sont en train de vieillir, hein, les Sadio Mané et les autres. Mais moi, je préférais Sadio Mané que le roi Sané. Je sais pas pourquoi on a choisi le roi Sané. Parce que Sadio Mané, lui, au moins, il marque des buts. Le roi Sané, c'est rare qu'il marque des buts. Attention, faut pas qu'on prenne un but là. Alors là, on va y aller. Et on va faire une jolie passe là. Et je crois qu'il va marquer. Et la jolie passe décisive. Et là, je crois que c'est le but de la victoire, les guys. On va aller en finale. Ah, si Valence, je ne crois pas que Valence pourra remonter ses deux buts parce on fait des contre-attaques. Et là, je crois que Matistel avait besoin juste d'une passe. Et là, ça passe, il a eu. Et voilà, tout va bien maintenant. Là, je crois qu'on peut jouer maintenant en relaxation. Alors là, ils sont fous, mais Matistel va marquer un autre but, bien sûr. Et comment? Je suis choqué. Je suis choqué, Matistel, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il a. Ah, c'était un but trop facile. Là, il a trop mis la facilité dans sa frappe. Il croyait que c'était déjà fini. Non, faut la mettre au fond, Matistel. Franchement, je suis choqué. Là, on aurait pu gagner 3 buts à 0, les guys.
Attention, il s'est fait dribbler là. Alors, c'est parti. Ah, c'est compliqué là parce que je vois que. Là, la jolie passe. Et le match est terminé, les guys. 2 à 0, les guys. On est qualifié pour la finale. Valence, ils se sont bien battus, mais on était bien en forme aujourd'hui. On a super bien joué. J'ai super bien joué. Une passe et un but, je crois. Allez, on va passer tout ça. On est super content. Et ça fait. Ah, c'est Matistel qui est l'homme du match. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Voilà, on va jouer contre Wolverhampton. Ah, je crois qu'on va gagner cette finale. Hein. À part s'il y a quelque chose qui se passe mal. On va jouer contre FC Cologne. Ah, alors ici, si Bayer Leverkusen perd, eh ben, on va remporter la Bundesliga. Et voilà! Franchement, on a très bien construit là-bas. On a super bien construit. Et voilà, je crois que ça, c'est le but pour le trophée de la Bundesliga. On espère que Bayer Leverkusen vont perdre le prochain match. S'ils ne perdent pas, donc on ira jusqu'à la dernière journée. Ça, c'est l'avant-dernière journée. Franchement, regardez comment on a super bien construit. La Muller, lui ne rate jamais. Et voilà, on gagne, je crois qu'on a le trophée là. On est champion d'Allemagne. Ouais, on a le trophée champion d'Allemagne. On domine complètement. On domine complètement. L'Allemagne, et ça, c'est Müller qui est levé parce que c'est lui l'homme du match. Ah, voilà. Je sais pas pourquoi ils sont tristes. Ils pensaient même pas. Peut-être qu'ils sont relégués, je sais pas. Franchement, je suis super. On est super content. Le premier trophée de la saison avec Bayern. Et oui, et oui, et oui, et oui. J'espère que j'aurai une photo, moi, avec le trophée. Et oui, la jolie photo là. Et voilà, et voilà. Voilà, moi aussi, je soulève le trophée, les gars, j'en profite. On en profite. Et puis tout à l'heure, on aura un gros match face à Dortmund. Dortmund gagne là-bas. Oui, Bayer Leverkusen, ils n'ont pas tenu. Ils n'ont pas tenu au dernier match. Ils ont directement perdu. Et ça fait nos affaires. 31 passes décisives. Non. Je donne les passes décisives comme si c'était des buts. Allez, on va aller Dortmund directement après. Il y aura la finale d'Europa League. C'est juste incroyable. Franchement, je suis milieu, titulaire comme milieu offensif. Là, je vais directement. On va directement jouer contre Dortmund. L'équipe est prête. Allez, on va tout donner. On va tout donner, les gars. Allez, c'est parti les gars, c'est parti. Bayern de Munich contre Borussia Dortmund. Et
DFB Pokal d'Allemagne en fait. Oh, attention, attention, les gars. Faut pas commencer, on s'arrache le ballon comme ça. Pour montrer que je suis un gars solide. Et voilà, je crois qu'on va gagner ce match. Parce que dès le début, je sens que Dortmund n'est pas dans son match. Je sens que je vais casser plein de lignes. Oh non, non, non. Non, c'est juste incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. On aurait pu marquer un but. Peut-être j'aurais dû tirer. Hein. Je suis devenu trop passeur tellement j'aime donner les ballons maintenant. Je ne pense plus à marquer des buts. Je suis tellement habitué à donner les ballons à mes coéquipiers. Je fais briller mes coéquipiers. Franchement, je crois que je suis le gars le plus aimé du club. Parce que 31 passes décisives. À cette allure, on sera le meilleur passeur de tous les temps. Imaginez-vous, voilà, là, je vais marquer. Voilà le but. Voilà, ce que j'étais en train de dire, c'est que on risque d'être le meilleur buteur le meilleur passeur de toute l'histoire. En tout cas, faut pas oublier que c'est Messi. Je crois qu'il a 360 quelque chose de passes décisives. J'espère que peut-être ça sera le challenge. De cette vidéo. Regardez-moi ce but incroyable là. Alors moi, je suis en super forme pour cette saison. Et le match est terminé, les gars. Ils ont remporté un autre trophée. Trophée d'Allemagne. En tout cas, aujourd'hui, en Allemagne, on va tout remporter. On sera à fond dans tout. Et oui, Dortmund perd le trophée. S'ils m'avaient acheté, peut-être, ils auraient pris ce trophée, mais ils n'ont pas voulu m'acheter. Alors, c'est lui qui est l'homme du match. Pourquoi je suis jamais homme du match quand on gagne un trophée? Ça devient énervant. Ok, à la finale de l'Europa League, je vais faire tout pour marquer un doublé et pour qu'on se lève le trophée. Voilà, on est encore champion, les guys. Je vous laisse voir la cinématique. Là, je vois qu'il y a un bug là, les pieds. Les pieds s'entrent dans le truc, je sais pas quoi. Voilà, on est super content. Le trophée, on le soulève. Incroyable. Champion, champion d'Allemagne, deuxième fois. Voilà, il faut juste célébrer, c'est tout ce qu'on peut faire. On aura beaucoup de trophées en tout cas. Allez, on va cliquer sur ce 20 et puis on va jouer en Europa League. Et la saison prochaine, ça sera la Champions League. Donc la saison prochaine, ça sera chaud. Ça sera de retour dans la Champions League. Alors, on y va. Prochain match, on joue contre Wolverhampton Wanderers. Et là, si on a ce trophée, on aura trois trophées déjà cette saison. C'est incroyable. On termine très bien cette saison. Beaucoup de passes décisives, quelques buts. Je crois qu'on a environ 17 buts, 18 buts, je ne sais pas. Et les passes décisives, ça, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si ça va compter pour que je gagne un trophée en Europe. Mais en tout cas, je serai dans l'équipe de l'Europe. Ça, soyez-en sûr. J'ai perdu déjà le ballon dès le début.
Attention, faut pas qu'on prenne un but. Faut pas. Ah, qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout? Ouh, on a eu chaud. On a eu chaud. Cette équipe, elle est là pour remporter ce trophée. Faut pas qu'on se. On croit que tout est gagné d'avance. Non. Tout n'est pas gagné d'avance, les gars. Allez, on va y aller. Ça, c'est peut-être la victoire, là. Oui! Et le but de Matistel. Et voilà, on va pouvoir remporter peut-être un autre trophée, la petite danse. La jolie petite danse de Matistel. Danse, mon petit, danse. Cette saison, elle nous appartient, les gars. Regardez. On termine cette saison en beauté, en tout cas. Bon, en même temps, on est très, très fort en Europa League. On n'a pas eu vraiment de challenge. Je ne sais pas quelle équipe qui était forte, franchement. Franchement, la jeunesse de Bayern, nous sommes au sommet en tout cas. Allez, là, c'est peut-être mon but. Non, qu'est-ce qu'il a foutu? Bordel, j'ai pas mis assez de force. J'aurais dû frapper trop fort là. Ah là là là, ce but me fait très mal. Peut-être là, j'aurais dû peut-être marquer quelque chose. Et le match est terminé. On remporte un autre trophée, les guys. Trois trophées de suite. Voilà, on remporte 1-0. C'était pas un match très compliqué. Wolverhampton nous a laissé dominer complètement. Eh ben, nous voici, nous sommes champions d'Europe, d'Europa League aussi. Alors, c'est parti, on gagne. On gagne 1-0. Et voilà, les joueurs sont super contents. Celle-ci, c'était le trophée majeur. Encore Joshua Kimmich qui est homme du match. Ah bon, c'est lui le capitaine aussi, il ne faut pas oublier. C'est normal qu'il se fasse soulever. Et l'autre trophée, c'est Upamecano. Upamecano qui soulève le trophée. Et voilà, Bayern, nous sommes encore champions. Champions d'Europe, on est au sommet de l'Europe. Et voilà, la jolie photo souvenir. Voilà, en tout cas, on est. Voilà. On célèbre calmement. Voilà, j'ai le trophée, j'ai le trophée. Je suis super content là. Et c'est parti les gars. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous connaissez le rituel. Si vous êtes déjà abonné, n'oubliez jamais de mettre un like. 17 buts, 31 passes décisives cette saison. Bon, il reste un match, un dernier match contre Fribourg, mais je vais le jouer tout seul. Je ne crois pas qu'après, il y aura des choses importantes. Après, on va voir le calendrier. Si on aura des matchs, un match international avec la RDC. Bon, après, je ne sais pas si. Si après on va enchaîner la deuxième saison et vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que je reste au Bayern cette saison pour la Champions League ou bien vous voulez que je quitte cette équipe pour aller retrouver une autre équipe? Merci d'avoir regardé la vidéo et à plus!